Hier soir, devant 7000 fans, c'était le fameux concert de Johnny Hallyday à Las Vegas, dans le temple des jeux, mais surtout du rock, avant de voir le concert dans son intégralité vendredi soir sur TF1. Reportage de Bernard Gély et Alain Sam Fedorovski. Une arrivée digne de celle d'Elvis Presley, son idole à lui. Bravant un inopportun problème de voix, Johnny Hallyday attaque un spectacle dans la grande tradition du rock'n'roll et de Las Vegas. Johnny Hallyday n'a pas chanté beaucoup de ses grands succès. Il a donné la priorité aux grands standards du rock'n'roll américain. Une démarche qui n'a pas trop dérouté ses fans. Dans l'ensemble, ils sont satisfaits. C'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir en France. Et ça change justement parce que c'est pas son répertoire habituel. Donc je trouve qu'il a d'autant plus de mérite. On a retrouvé le Johnny des années 60, le Johnny pur rock'n'roll. J'ai trouvé ça super parce que c'était un véritable hommage à Elvis. C'était formidable, quoi. Ça prouve aussi qu'en France, on peut faire du rock'n'roll et on peut faire des choses bien. Johnny réalise une prouesse unique dans les annales de la chanson française, emmener sur un autre continent plus de 5000 fans afin de partager le même rêve lors d'un concert unique. Le théâtre de l'hôtel Aladin est immense, mais la scène est si proche des premiers fauteuils qu'une complicité s'installe avec le public. Il y avait un rapport avec le public extraordinaire. Et ça, pour moi, c'était formidable. J'avais le même rapport dans cette grande salle de 7000 personnes que j'ai eu quand j'ai fait, par exemple, La Cigale à Paris. Ou au début à l'Alhambra, presque. Ou à l'Alhambra, ou même à l'Olympia, ouais. Oui. Paul Anka, le chanteur par excellence de Las Vegas, rend hommage à Johnny Hallyday. Johnny apprécie bien sûr, mais il n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Il prépare déjà un album de duo avec des grandes vedettes américaines.